Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le week-end a été riche en événements et Mosaïque les a évidemment suivis pour vous les faire revivre en images au programme du sport, de l'humour et même du jardinage. Mais on démarre en suivant les désormais célèbres cigognes à Saralbe et notamment avec un parcours inauguré hier matin. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz, Julia Bitran et Marie Luf. L'histoire de Saralbe racontée en suivant les cigognes. Dimanche matin, les curieux étaient nombreux pour découvrir en avant-première le parcours des cigognes, mis en place par Dominique Klein, ornithologue, et Serge Eulinger, directeur général des services municipaux. On s'est dit, tiens, ce serait original de se servir de la cigogne comme guide, voilà, tout simplement. Alors en faisant, comme il y a des nids un peu partout, donc on découvre les nids et en même temps on découvre la ville de Saralbe et son architecture. Au départ du quai de l'Albe, il suffit de suivre les cigognes peintes au sol qui seront remplacées par des plaques dans quelques jours. 14 panneaux explicatifs vous attendent sur le parcours d'environ 2 km. Vous en saurez plus sur la vie de l'oiseau migrateur. Saralbe héberge sur ses toits une vingtaine de couples. Vous découvrirez aussi l'histoire qui se cache derrière les lieux clés de la commune, en français et en allemand. Ce qu'on souhaite avec ce parcours, que ces cyclotouristes puissent découvrir aussi le centre historique de Saralbe avec des monuments qui sont tout à fait remarquables. Voilà, donc on essaye d'associer les deux éléments, la vie des cigognes avec ses différents panneaux qui permettent de mieux comprendre ce que c'est cet échassier, et puis surtout notre bâti ancien avec les explications qui là encore sont données devant des monuments qui sont les plus marquants de notre ville. Vous pouvez dès à présent vous rendre à Saralbe pour suivre ce parcours des cigognes.